Mardi 27 février. Aujourd'hui, on va terminer l'émission avec un retraité vraiment pas comme les autres. Mais tout d'abord, on parle affaires. Bienvenue à Studio Libre. Les regroupements de gens d'affaires existent un peu partout au Québec, on en a dans même plusieurs dans certaines régions, et notre région ne fait pas exception. Bien sûr, le regroupement des gens d'affaires de la basse Lièvre, le RGABL, eh est dirigé maintenant par Vicky Guindon-Farand depuis moi, pas tout à fait un an. Donc, on va lui parler de ses premiers mois d'expérience et de ce qu'elle en a retenu, et de la situation aussi du RGABL et des gens d'affaires de la Basse-Liève, notamment de Buckingham. Bonjour, Mme Guédon-Ferrand, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Vous? Oui, ça va super bien. Et puis, euh, je me demandais, bon, après un an, et le fait qu'on ne se soit pas rencontré avant était littéralement volontaire de ma part pour laisser un peu de temps de, de, de prendre le pouls. Souvent, on... On entre dans un dans une nouvel emploi. Il y a la fameuse lune de miel, tout est beau, tout est rose. Et là, quand on se met un peu dans le bain, ben là on se rend compte que, oh, ok, il <laughs> y a d'autres choses à régler. Donc, euh, là, ça fait depuis le mois de juin, mois de mai. Mois de mai. Donc, ça fait pratiquement un an, là, un dix mois, là, on va dire ça, là, pour euh, les fins de la cause. Donc, là... Comment ça se passe présentement au RGABL? Qu'est-ce qu que tu as retenu de ton expérience, de ton année? Bien, je dirais euh, la lune de miel, j'ai hâte de la voir. Je ne l'ai pas eue. <laughs> Moi, j'ai embarqué, c'était les deux pieds dans le bain. Puis, ouais. let's go, on saute, on y va. Euh, mmh. C'est sûr qu'on est, pour tout le monde, que ce soit les regroupements de gens d'affaires, les commerçants, même pour vous, on est en retour de pandémie. Mmh. Puis, il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas été faites. Euh, moi, quand je suis arrivée, ce que j'ai constaté, le site Internet n'avait pas été mis à jour depuis mm -hmm. 2016, si je ne m'abuse. Il okay. euh, y avait les, les événements, on fait un peu de revitalisation dans les secteurs, mm -hmm. donc les événements d'envergure, ça n'avait pas vraiment eu lieu. Ouais. Euh, les 5 à 7 avaient été arrêtés, c'était rendu en mode virtuel, mm -hmm. formation, webinaire en mode virtuel. Donc Tout on... est, fait est fait en mode virtuel. Bref, ça. Moi, j'arrivais, OK, on n'est pas en pandémie, roule. D'accord. Donc, euh, moi, j'ai sauté deux pieds là-dedans. Bon, j'ai un petit peu de dynamisme, un petit mm -hmm. peu de TDOH, j'en cacherai pas à personne. Donc, on est allé à fond la caisse, on refait, on refait le site web, on regarde pour les événements, on ramène les 5 à 7, on offre des formations, des conférences, let's go, on y va. Mm -hmm. Donc, depuis dix mois... Ça roule anti-pépère. Je vous dirais là, <laughs> euh, ça y va au toast. Oui, et parlant de y aller au toast, on, on, moi, je me souviens bon, des événements, euh, bon, avant euh, tout la, toute la COVID, euh, c'était je salue Mario Ouimet euh, d'ailleurs, et... euh, qui trimballe encore. Là, je l'ai vu, je l'ai croisé oui. l'autre jour. Euh, je suis passé proche de l'édifice, puis dans oui. la cour, Qui je vois pas arriver? Mario Wimet, bien sûr. Euh, J'imagine que ça a été un J'allais dire un must, mais d'avoir ce mentor-là qui est Mario, qui connaît le travail, qui connaît les gens, donc de l'avoir pour t'aider à, à, à entrer dans ce mode-là, parce que souvent, bon, quand on arrive, ben l'autre est parti, surtout dans les dans les cas de direction générale, puis on se retrouve un peu comme ah euh, qu'est-ce que je fais. Donc de l'avoir, j'imagine que ça a été un peu un peu apaisant aussi, de dire. OK, j'ai quelqu'un pour m'épauler. mais Mario n'est pas disparu. Donc, c'est normal non. que vous le voyez euh, rôder aux alentours. Moi, je l'ai gardé comme employé. <laughs> donc, c'est facile d'avoir quelqu'un qui connaît déjà le domaine. Mmh. Ouais. Euh, si, par exemple, je lui dis euh, fais mon événement tournoi de golf », ben j'ai pas à t'expliquer quoi faire. Tu connais la ouais. game. Tu le fais, mm -hmm. puis j'ai pas à tout te roder. Oui, c'est sûr qu'on travaille en, en coopération, puis ça fait-tu ton affaire, tu veux de ci, tu veux de ça. Mm -hmm. Mais sinon, il travaille, j'ai pas à y montrer. Ce qui est le fun aussi, bon, c'est sûr qu'il y a un grand, grand, grand réseau de contacts. Oui. Je pense que tout le monde connaît M. Ouimet, que ça soit dans Buckingham, mason' partout. T'sais, on ne mm -hmm. sort pas d'une bâtisse puis rencontre quelqu'un, on s'en cachera pas. Donc, ça, ça doit être long faire son épicerie parce que s'il arrête à jaser avec tout le monde comme il le fait. Moi, il se fait fouetter. Go, on a du travail. Viens, ten embraye. En euh, trépillard, Mario. Oui, Mario, trépillard. Moi, très d'action. Donc, on se complète bien. Je pense que c'est quelque chose que j'entends beaucoup des gens c'est qu'on semble avoir une bonne chimie ensemble. Ça va bien. Puis, c'est sûr que Mario a l'expérience. Puis, moi, j'arrive avec plein d'idées puis aussi des nouvelles idées on n'est pas de la même génération fait que souvent on fait une combinaison oui on peut bon ça chicane pas mon styroïde, puis c'est moi qui décide c'est moi des <laughs> fait qu'on essaie des choses mais ça, ça va quand même très bien là, à ce ouais. niveau-là puis oui c'était très sécurisant puis aussi de je te donne pas une clé de bureau puis tu t'arranges là. là ben là OK où sont les choses où est-ce qu'on en est rendu? Parce que, veut veux pas, dans une année, tu ben, t'as beaucoup de choses qui viennent, là. Que ça mmh. soit euh, 5 à 7, là, on a l'illumination qui commence à être reconnue au RGABL à chaque année. Oui. Bien, ça, on sait que c'est au mois de décembre. Donc, ma planification, je la connaissais pas. Là, mmh. ça va faire un an. Je sais environ ce qu'on s'en va, là. Les taux d'intérêt ont augmenté. Euh, les banques sont un petit peu plus frileuses à passer pour du financement. Donc, comment les, les membres se retrouvent? Pour faire des affaires justement, puis développer leurs affaires. Ben, c'est sûr que ça crée une inquiétude, un sentiment d'instabilité, de, de, je devrais mm -hmm. dire, dans la dans la communauté. Euh, oui, on a eu la bistro on a eu le café cosy. Euh, oui. Si je retourne un peu plus en arrière avant que j'arrive, il y a eu la maladroite. Il y, a mm -hmm. eu, il y, a, il y en a eu plusieurs là dans, dans notre secteur. Donc, c'est sûr que les gens se questionnent. Il y a eu le fameux pré-covid qui est mm -hmm. certainement pas pour aider. Ouais, qui a fallu le remboursement. Puis, il y a aussi la conjoncture économique. fait que les gens oui. vont plus vers les rabais, magasinent moins, font attention, la hausse des taux d'intérêt. Donc, ça devient difficile. Moi, comment je vois ça en ce moment? Tu sais, oui, euh, j'ai offert des formations, des conférences, mais ce qu'on me dit, c'est pas nécessairement ça qu'on cherche. On veut des clients. <laughs> oui. On veut que les affaires roulent. Oui. Donc, moi, je veux vraiment accéder dans la prochaine année à les faire connaître, à leur amener des gens. C'est sûr que... Bon, c'est plein d'acteurs économiques. Hein, il n'y a pas juste le regroupement. Il y, a, il y a la ville, il y a la municipalité. Fait, je peux faire mon bout de chemin, mais les autres aussi, on doit tous travailler en collaboration. Ouais. J'ai toujours dit, moi, je suis qui pour aller chercher? Euh, je ne sais pas. Moi, Pierrot vient t'installer dans tel local. <laughs> je suis limitée un petit peu, ouais. mais c'est sûr que de faire euh, de la promotion de nos secteurs économiques, de, de faire connaître les gens, parce qu'on n'a pas juste Buckingham. On parle beaucoup de Buckingham. Mm -hmm. On a Masson-Angers, Lange-Gardien, ouais. Puis, vu que c'est des petites communautés, l'auriez riez Pas, moi, je suis souvent, c'est dans mon village, mais <laughs> les gens essaient de, de s'acheter entre eux des produits, puis de s'encourager. Donc, on crée un réseau comme ça. Avec les 5 à 7, des fois, oui, c'est le fun de relaxer, de venir trouver des solutions, d'échanger entre eux, mais aussi, ah, mais moi, je vois chez papeterie à Rosemary, ah, mais Rosemary va aller manger chez A Outrance, mais A Outrance ouais. va aller chez BMA. On crée un réseau comme ça, là. Donc, en plus de faire connaître... Parmi les gens d'affaires, on essaie de les faire connaître par la communauté puis de rouler ça. Quand on vient pour faire un regroupement, bon, on a parlé, ça prend des membres. Oui. Euh, ça prend pas mal de membres pour faire rouler la chose. À quel point ça peut être facile ou difficile de recruter des membres, des nouveaux membres ou des anciens qui sont partis, qui sont revenus? Donc, le recrutement, est-ce que d'un, ça va bien et de deux, est-ce que quand vous parlez du RGABL, les gens font comme oui, oui, je connais ça, puis j'embarque assez facilement? Euh, tout dépendant de qui. Ouais. <laughs> C'est sûr qu'il y a des expériences passées. Mm. Si, je n'ai pas la date exacte, je me ferai probablement chicaner, mais ça fait comme une trentaine d'années que ça existe. Mm -hmm. Puis il y a des gens qui, oui, ça fait longtemps qu'ils sont dans le métier, ont eu des mauvaises expériences. Ça peut être difficile à ce niveau-là. C'est sûr qu'avec euh, la pandémie, euh, l'idée qui circulait, c'était qu'il n'y avait plus rien, que le regroupement mm. ne faisait plus rien. Donc, de voir comment ça roulait un petit peu. Ah, oh, il y a un 5 à 7. Ah, oh, il y a une formation. De voir qu'on est actif en ce moment, ça l'aide. C'est sûr qu'il y a une grosse nouveauté qu'on offre euh, cette année. Bien, cette année. C'est que pour les 150 premiers membres, on leur offre une microcapsule publicitaire oh. euh, filmée par un professionnel, M. Martin Jeté, mm -hmm. gratuit, qui va rouler sur les médias sociaux et, no et sur notre site Internet. C'est de l'offre de service. Mm. Je te demande de l'argent, mais. Tu vas me donner quoi en échange? Donc, oui. c'est de prouver la valeur de l'adhésion, puis on, on sert à quoi, tu sais? C'est souvent ça, la première question qu'on nous pose, ouais, oui. mais ça me donne quoi moi de donner de l'argent? Ouais, oui, ok, j'ai accès à un 5 à 7 de temps en temps, puis tout ça est mais est-ce que justement j'en ai pour mon argent? Exact. Puis un peu comme en publicité, un peu comme en n'importe quoi, là, quand on vient pour aller chercher de l'argent, les gens sont plus frileux euh, de mettre leur main dans leur poche aujourd'hui, puis on le comprend à cause de, de l'économie. Et justement, parlant d'économie, bon, qu'est-ce qui s'en vient pour euh, l'économie du RGABL, euh, l'univers du RGABL, euh, en. Bon, là, on vient de commencer 2024. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de. Ben, peut-être de nouveau de récurrent, mais que vous êtes, là, là, ça, là, ça, là, ça va être notre chose, notre événement. On travaille comme des défoncés là-dessus, puis on veut que ça marche. Qu'est-ce qu'il y a de. dans dans l'avenir à court, moyen et long terme du RGV? Ça tombe bien. Je viens de finir mon calendrier de planification jusqu'en décembre 2024. Oh, fait que, on est On est guéri. On est, on est, en, on est en business. Euh, c'est sûr que nos 5 à 7, moi, quand je suis arrivée, j'en ai fait une récurrence. Une mmh. fois par mois, c'est le troisième mercredi de chaque mois. Donc, c'est assez facile, même si vous y pensez pas. Troisième mercredi de chaque mois, sauf juillet à août. Évidemment, mmh. on laisse à ouais. la relâche. Nos 5 à 7 sont bookés par les entrepreneurs jusqu'en juin. J'ai déjà quelqu'un qui miroite pour le mois de septembre, donc il me reste octobre et novembre de disponibles. <laughs> donc, les 5 à 7, ça va très bien. Euh, sinon, on offre des cours d'RCR, oh. secouristes en milieu de travail qui vont être offerts dans notre secteur. Donc, ça, ça s'en vient. Très important à avoir, oui. oui. Donc, les gens qui sont intéressés, quand on a assez de, de membres inscrits, mmh. on offre. Euh, ce qu'il y a d'autre, je peux vous dire qu'il y a un bazar familial qui s'en vient en avril. J'ai les jeunes entrepreneurs qui vont avoir lieu le 1er juin. J'ai le festival BMA, ça c'est pas moi, c'est la production Les Deux Vallées, mais on est partenaire avec eux, mm -hmm. on va animer euh, le secteur de Buckingham pour les familles qui ont moins de sous, qui pourraient okay. peut-être pas nécessairement se déplacer en dessous du pont, mais qui puissent profiter de l'événement puis être quand même là sur notre avenue, amener des gens dans nos commerces. Hein? Évidemment. On va dans cette optique-là. Un ne va pas sans l'autre. <laughs> Évidemment. Sinon, je ne veux pas en oublier, évidemment, je vais avoir la en ensorcelée deuxième mmh. édition qui semble avoir été très, très prisée par la population. Oui. On a quand même eu plus de 3 000 participants ce week-end-là et évidemment notre fameuse élimination. Deuxième édition à maçon, c'était la première fois qu'on la faisait, euh, ben, je vais dire cette année, en 2023 et mmh. on continue euh, l'élimination. Donc, euh, si je résume, vous avez du pain sur la planche toi, et Mario et tout le monde qui travaille alentour, et ne pas oublier aussi les, les entrepreneurs qui vont, vont organiser les 5 à 7, ils sont impliqués dans l'organisation de, de leur soirée, si je peux dire. Tout à fait. Donc, c'est beaucoup de pain sur la planche. En plus, bon, de recruter des, des membres, de faire toute la campagne, de... D'adhésion de, 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 oui. encore une fois chaque année. C'est euh, quel mois euh, d'habitude la campagne d'adhésion? C'est tout, tout, au courant de toute tout l'année. Donc, oui. quelqu'un rentre membre, exemple, au mois de mai et bon jusqu'en mai l'année prochaine ah, dans son membership. Okay. Donc, c'est continuel. C'est sûr que là, ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on a une petite émergence de nouveaux commerçants. Mm -hmm. Puis là, j'en profite, j'attribue. Euh, ben la oui. première année de la. Naissance d'une entreprise, nous, on offre l'adhésion gratuite. Ah. C'est une belle opportunité pour les gens qui viennent s'établir de se faire connaître parmi les autres entrepreneurs quand c'est gratuit. Donc, on encourage ça. J'ai plusieurs là, qui viennent d'arriver, ça va être intéressant. Et si on veut, bon, outre la première année, oui. si on veut, on se dit, hey, moi, ça me tente d'embarquer dans l'RGBL, comment on fait? Là, on va avoir notre beau site Internet Revampé à neuf mm -hmm. qui va être mis en ligne ce jeudi, oh! le www.rgabl.com. Vous avez tous nos événements jusqu'en décembre 2024 que vous pouvez vous inscrire avec les informations. Vous avez vos cotisations, vous avez tous les avantages fait que ça va être accessible. Sinon, bon, si vous ne voulez pas aller sur le site internet, vous pouvez toujours m'appeler ou écrire à direction à rgabl.com. Eh bien, tout va être en bas d'écran. Donc, les gens vont avoir l'information, les entrepreneurs vont pouvoir vous joindre si ça leur tente d'embarquer de, avec vous dans ce beau mouvement qu'est le RGABL. Merci beaucoup, Vicky guédon farin directrice générale du RGABL. Merci beaucoup. TVC basse la télé qui nous rassemble. Quand l'heure de la retraite a sonné, mon invité a probablement pesé sur Snooze. Et je pense qu'il travaille plus aujourd'hui qu'il travaillait dans l'armée. On va le confirmer avec lui. Steven Bilodeau est avec nous. Bonjour, Steven. Allô, Sylvain. Euh, Steven, justement, comme je disais, euh, l'heure de la retraite a sonné. Ouais. J'ai fait un petit gag avec ton titre de show. Ouais. Euh, ça s'en vient bien. Là. Quand on s'est rencontrés au début, bon, ouais. tu commençais, on s'est rencontrés à la radio pour la petite histoire. Et puis, euh, ben. À un moment donné, ben, on, ça. En fait, pousse, on, ça pousse, on, peut, on peut le dire comment on s'est rencontrés. Mm -hmm. Sylvain, j'ai sollicité tes services parce que tu m'as été d'une grande aide mm -hmm. au niveau technique pour, pour euh, le, le, la mise en œuvre de mon podcast, ouais. en fait, et puis euh, pour améliorer aussi l'aspect technique du podcast, pas, mm -hmm. pas juste au niveau visuel, mais au niveau euh, technique. Et l'heure de la retraite a sonné. Ben, pour moi, ça, 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 ça a commencé en 2019 avec ma sortie de l'armée, hein, qui n'était pas nécessairement un choix. Je mmh. pas choisi de sortir de l'armée. Euh, J'avais un problème de santé mentale. On m'a diagnostiqué avec un, un syndrome post-traumatique qu'on appelle en, en anglais un PTSD. En ouais, français, ça veut dire connu. pas trop sûr que tu vas dormir encore à soir, mais... Oui, ça c'est vrai. <laughs> c'est une telle réalité. Mais c'est une réalité qui... Euh, qui, est, qui est, que C'est possible de vivre avec ça. C'est possible de vivre avec les signes et symptômes. Et puis, la scène vient tellement combler. Un grand besoin au travers de, de ce problème de santé mentale-là. Et ça va très bien. Ça va très bien. Tu suis mon développement, tu suis, mm -hmm. euh, tu suis mes affaires. J'ai signé il y a quelques mois avec une nouvelle gérance, une, oui. une boîte de production qui s'appelle Doit Donneur Production avec Ashley-Jeanne Lucier Et depuis, euh, depuis ce jour-là, ben, ma carrière n'est plus pareille. Je suis rendu professionnel. Donc, euh, je. je, je un pas à la fois ouais. j'embarque dans l'autobus du show business puis j'adore ça. Oui, c'est une boîte aussi qui représente euh, Mathieu Cyr si je Exactement. me trompe pas, parce qu'Ashley c'est sa conjointe sa et gérante. Ouais. Et donc euh, ça fait quoi de se retrouver avec des professionnels, ouais. des humoristes établis qui sont dans la même des gros boîte non. que toi des gros noms ouais, des gros qui non. vendent beaucoup, ça fait quoi comme ouais. feeling est-ce qu'on a j'imagine qu'on a un, qu a un, un sentiment d'accomplissement? mais qu'on voit aussi, à un moment donné, le défi que ça en vient. Parce que là, quand on est, quand on est sur le premier trio ben, ou sur le faut deuxième, il ben, faut performer. Ouais, ouais, exactement. Ça. Et des fois, ça vient qu'un mal de cœur, des fois, <laughs> ça vient qu'un vertige, mais ça vient avec des opportunités extraordinaires. Euh, mm -hmm. Mathieu, Ashley et Olivier Martineau, qui, oui. euh, qui fait partie de la production avant la fin du monde, et sont... Son, Incroyable avec moi Il me donne énormément d'espace de, et de visibilité mm -hmm. pour que je puisse, à mon tour, séduire le public pour être capable, après ça, de vendre mes, mes, mes propres grandes salles dans, les, dans tous les diffuseurs du Québec. Mais c'est une, une, opportun, une, une opportunité en or d'aller à la rencontre de deux publics et de deux univers complètement différents. Parce oui. que Mathieu a son propre univers, Olivier a son propre univers. Chacun leur public. Aussi. Chacun leur public. Et on le voit au travers de tous les diffuseurs, de toutes les grandes salles de spectacle qu'on fait au Québec. On a des gens qui sont plus Mathieu, on a des gens qui sont plus Olivier, et ça donne vraiment une belle mixité. Et moi, j'ai la chance d'aller séduire en première partie, parce que la première partie, c'est une, une carte de visite. J'ai la chance d'aller séduire ces deux publics-là. Donc, pour moi, en début de carrière, c'est vraiment une opportunité exceptionnelle. Ouais. J'ai beaucoup de questions à propos de plein de sujets. Ben, parce bien, on, que... va, on va y aller. Je mets une caméra, je pense que c'est la personne qui mérite le plus d'avoir la caméra au-dessus. <laughs> <disons. rire> bon, parce que pour la petite histoire, euh, ben, tu sais, je me disais, tu dois t'inspirer oui. de ton vécu. Bon, dans ton spectacle, tu t'inspires de ton vécu, de l'armée, évidemment. Oui. Bon, tu en parles beaucoup. Mais je ne sais pas si tu es rendu à ce point-là de parler de ta fameuse greffe de cheveux. Parce qu'on le voit, euh, bon, là, je le vois, en, en, et puis si je mets la <laughs> caméra au-dessus, vous pouvez le voir aussi. C'est vraiment quelque chose qu'on laissait à Steven avant oui. et Steven après. Oui. Euh, Est-ce que ça a changé quelque chose oui. dans ta perception, un, et la perception que les gens ont de toi? Je pense que oui. oui. Je pense que oui. Je pense qu'il y a une perception de. de... Moi, j'ai l'impression. De, de, pour l'avoir entendu, que les gens cons, considèrent que c'est quasiment une. Euh, comment, qu on a, comment on appelle ça Pas la fontaine de jouvence, là, mais c'est un réa, r, rajeunissement. En fait, je, 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 je ressemble. Un born-again humoriste. <laughs> <laughs> J'ai l'impression d'avoir 10 ans plus jeune. Ouais. Euh, tu sais, puis d'entrée de jeu, j'aimerais ça dire que les hommes euh, et certaines femmes aussi qui souffrent de calvétie mm -hmm. euh, et qui vivent très bien avec ça, c'est correct. Mm -hmm. Sauf que. J'ai envie de témoigner aussi pour dire que moi, bien, la, perte de cheveux, la perte de mes cheveux, ça a été, euh, ça a été difficile à accepter. J'avais l'impression que je perdais un peu de ma masculinité, un peu, pas un peu, un grand pouvoir de séduction. Euh, et ça m'affectait à tous les jours. Tous les jours, j'étais devant le miroir à essayer de... Ramasser des cheveux d'un peu partout sur ma tête. Oh, le fameux étirage de Duvet. <laughs> c'était un come-over à Donald Trump, minus toutes les niaiseries qu'il peut dire, mais c'était un peu de la façon dont j'essayais de, de cacher cette calvétie-là. Ça a fonctionné plusieurs années parce que les premiers problèmes de calvétie pour moi, c'est arrivé en 2014. OK. Quand même. Et j'ai commencé à consulter en 2014, 2015. Après ça, j'ai mis ça sur pause un petit peu euh, parce que, ben c'était pas un point où est-ce que ça me dérangeait mmh. de, de façon excessive, mais là, dans les dernières années, c'était à chaque fois que je. Avant de partir de la maison, c'était une obsession, ce que je pouvais avoir l'air sur la tête. Puis là, j'ai dit, il est temps de faire quelque chose, il existe des moyens, donc je, vais, je vais aller les explorer. Puis c'est comme ça que l'aventure a commencé. Je savais que la Turquie est un, un chef de file oui. au niveau de, de la greffe du cheveu, donc. C'est d'aller sur Google, d'aller voir les meilleurs reviews, les meilleures entreprises dans le domaine et puis de s'informer. Tu sais, la première étape, c'est vraiment de s'informer. Puis s'il y en a qui, qui pensent éventuellement d'avoir recours à cette chirurgie-là, n'hésitez pas d'aller prendre l'information, demander à des gens qui l'ont déjà, qui ont déjà passé au travers du traitement, qu'est-ce que ça peut impliquer, pas juste au niveau monétaire, parce que souvent, on va être arrêté sur combien ça coûte au niveau monétaire. C'est dispendieux aussi. C'est très dispendieux. Ça peut être abordable, tout dépendamment du <laughs> chemin que tu prends, et on va en discuter. Mais à la base, ce n'est pas une chirurgie qui est compliquée. Par contre, euh, au Canada, ça peut être un peu plus complexe à cause de Santé Canada qui ont des règles beaucoup plus ouais, strict. strictes hein, de l'encadrement de, de la médecine. Au Québec, on, est, euh, on peut dire qu'on est quasiment les chefs de file. Mais ailleurs, ailleurs dans le monde, ça se fait pour beaucoup moins cher et avec euh, moins d'encadrement, je, je vais le dire comme ça. Mais le résultat peut être semblable. Donc, c'est de s'informer, c'est de faire confiance à la personne que tu vas avoir choisie pour, pour implanter tes propres cheveux, parce que ce n'est pas des, faut le dire, ce n'est pas, que, que, pas des cheveux synthétiques, hein? mm -hmm. c'est tes propres cheveux qui sont en arrière de ta tête ou dans ton cou, sur ton, ton chest, qui s'en vont t'implanter au niveau de, souvent, du front. Où est-ce que tu as perdu? Ouais, ils ont pris où euh, tes cheveux? Juste euh, en arrière. Juste en arrière. Oui. Il faut dire qu'il y, y a deux techniques aussi pour, euh, pour la greffe de cheveux. La première, mm -hmm. c'est l'ancienne technique qui était davantage d'enlever une bande de cheveux. Donc, mm -hmm. on, on cicatrisait, on enlevait une bande de cheveux, on retirait les follicules sur la bande de cheveux qu'on préparait pour euh, la greffe ultime. Mm -hmm. Et après, ben en arrière. Il recousait, on, on, va, on va dire ouais. ça, il faisait des, des, des points de suture pour donc, il y avait une marque, il y avait refermer une, une, grande marque, mmh. une grande marque. Et on pouvait la camoufler en laissant pousser les cheveux davantage en arrière. Dans mon cas, je voulais l'eau technique qui était follicule par follicule. Mmh. Et dans un follicule, il peut avoir plus qu'un cheveu. Donc, au niveau de la densité, vous comprenez mmh. que ce n'est pas un follicule pour un cheveu, mais ça peut être deux, trois, quatre tout dépendamment de, de, de ta densité aussi, mais la, les gens qui perdent leurs cheveux, ça vient souvent de, 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 du gène de la calvitie, qui est un cheveu très mince, c'est pas un, c'est un cheveu qui, euh, qui reste pas beaucoup sur ta tête. Ouais, parlant de cheveux qui restent pas beaucoup sur ma tête et le cheveu mince, j'en je, suis l'exemple, c'est drôle parce que on est vraiment un, un et l'autre à l'opposé. Et puis, euh, moi, je vis bien avec ça. Euh, j'ai pas... Et puis, bon, euh, j'ai regardé, bon, mon père, mon grand-père, tout ça, je savais que ça s'en venait des deux côtés. Tout le monde était chaud mmh. chez nous au niveau des hommes. Donc, je savais que j'avais... Euh... Une propension, ouais, si ouais. on peut dire, le jeune. Le jeune de la calvitie. Mais ouais. euh, là, mm. en 2024, euh, ça, se, ça sonne bien, ça s'en va bien pour toi. Ouais. Ta carrière est lancée. Euh, là, il reste à faire quoi Qu est ouais, que Tout, as est, prévu à faire. Pour tout est à faire pour l'année. <laughs> tout est à faire. Un, aller à la rencontre du grand public. Je mm. le fais au travers des des, 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 des premières parties de, de Mathieu Cyr et Olivier Martineau pour le spectacle fin, Avant la fin du monde. Je le fais aussi. Euh, je peux pas te donner des détails, mais à la f euh, début mars, j'ai une émission euh, dans laquelle j'ai participé qui va être à l'antenne de Nouveau. Donc, okay. c'est d'aller vers des opportunités de télé, radio, même web, parce que le web est gros maintenant mm -hmm. dans, dans l'industrie de l'humour et d'aller séduire le grand public. Que ce soit euh, au travers d'entrevues comme on fait aujourd'hui, parce que il y a il y a quelque chose qui est, un, qui est un peu différent de certains artistes. Il y a certains artistes qui vont garder leur présence au niveau de la scène, mm -hmm. mais il y en a d'autres qui vont développer davantage, je vais dire leur personnalité publique. Donc, voilà la rencontre du grand public pour discuter de tout et de rien, de parler de leur vie, d'avoir une opinion, de, de, de présenter autre chose que le résultat de, de leur mm -hmm. art. Puis je pense que c'est ça que je suis après développer. Je suis après de devenir une personnalité publique. Et les gens vont me découvrir au travers de, cette, de cet espace public là mm -hmm. pour le stand-up. Donc je vais, je vais les séduire, je vais dire par ma personnalité et, et ce que j'ai après ça, ce que j'ai à leur offrir. Bien, on souhaite les avoir en salle pour, pour les séduire au niveau, euh, au niveau humoristique. Oui. Ton spectacle L'heure de la retraite oui. a sonné. Est-ce qu'il a été modifié justement Énormément. avec le test Et est-ce qu'il est qu se modifie encore parce que je sais qu'il y a certains humoristes, une fois qu'ils ont un spectacle, ils et, et, et le barrent là, c'est barré, oui. ça bouge plus. Toi, est-ce que tu es plus euh, à l'évolution, euh, l'amélioration continue, si on peut dire? Oui, quand j'ai sorti lors de la retraite à sonner, en, je pense que c'était en juin 2020, mm -hmm. ma première heure de spectacle, je savais déjà, d'or et déjà, que je voulais un spectacle évolutif. Donc, je voulais que les gens, comme une télé-réalité, Avance avec moi dans mon développement d'humoriste de la relève. Et c'est ce qui s'est passé un peu sur les réseaux sociaux. Les gens m'ont découvert dans la série web Le Gang Show. Mm -hmm. euh, et le Gang Show, si on recule au début du projet, on, on était en pandémie. Oui. Et euh, le, le, je me souviens, mon premier gang show a même pas été capté, a, du moins il a été capté, mais il n'a pas été diffusé. diffusé par les gens du gang show parce qu'on avait une qualité un peu moindre. Mm -hmm. Mais moi, j'ai filmé mon premier gang show, donc si les gens sont, in, sont intéressés à voir mes, mes premiers pas au gang show, ben, ce numéro-là se retrouve sur ma chaîne YouTube. Puis je vous invite à aller vous abonner parce que là-dedans, j'ai mes, mes chroniques humoristiques à la radio du 104 J'ai beaucoup, beaucoup de produits mm -hmm. à offrir aux gens tout à fait gratuitement. Et c'est comme ça, dans le fond, de, 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 de projet en projet, où est-ce que je m'en vais essayer de tenter d'avoir d'avoir un, un fan base pour vendre mes propres spectacles. Parce qu'à la base, je rêvais de devenir un stand-up qui allait faire de la tournée. Mm -hmm. Et je pense que j'ai le potentiel de le faire. Bien, on le sait que tu as le potentiel de le faire. D'ailleurs... Bon, tu as sur nos ondes le Soundcheck Podcast oui. aussi, qui continue. Tu en fais euh, sporadiquement là, oui. ici et là. Euh, ensuite, euh, ton spectacle, L'heure de la retraite a sonné, les premières parties. Oui. Donc, si vous n'avez pas vu Steven Bilodeau <laughs> en quelque part, je peux vous dire que quand il rentre d'une place, par exemple, à grandeur par largeur, comme un frige d'air qui rentre, on ne peut pas le manquer. Merci beaucoup, <laughs> Steven Bilodeau, d'avoir été avec nous. Merci. <laughs> Merci d'avoir été des nôtres pour cette édition du mardi 27 février de Studio Libre. Aujourd'hui, on a eu la chance de parler avec deux personnes qui ont beaucoup de projets cette année, Steven Bilodo, humoriste, et aussi Vicky Guindon-Faran, directrice générale du RGABL. J'aimerais vous rappeler que toutes nos émissions aussi sont disponibles sur notre page YouTube et notre page Facebook qui est toujours active aussi. Suivez ça pour notamment les nouvelles qui se passent au quotidien de la TVC. Et donc, je vous remercie encore une fois d'être là et nous, on se revoit jeudi pour un autre Studio Libre.